veut Lucien exactement? À part des pouvoirs divins, difficile à dire. Ce genre de pouvoir est un moyen, pas une fin. Que veut-il en faire? Quand je le côtoyais, il voulait ressusciter sa famille. C'est sûrement encore le cas, mais... Donne 1 million en or à un mendiant, et il mangera à satiété. Ensuite, il réalisera qu'il peut manger autre chose que du pain. Nous pouvons commencer. Placez-vous au centre. Vous représentez le lien essentiel entre vous trois. La force, l'adresse et la volonté. Ensemble, vous pourrez invoquer l'arme qui permettra de vaincre Lucien. Là, on fait... on fait quoi exactement? C'était très amusant de faire cette lumière avec vous. Mais maintenant, que fait-on? Je l'ignore. La limite de mon savoir a été atteinte lorsqu'elle est venue au centre. Attendez, où est Teresa? C'est pas très bon signe. Héros. Vous avez assez de force pour bâtir un nouveau monde, mais vous la gâchez pour sauver l'ancien monde. Tu es Lucien? Il est temps que tu ouvres les yeux, Lucien. Les ruines de l'ancien royaume nous entourent de toutes parts. Et bientôt elles seront enterrées sous le nouveau royaume, dont vous contemplez le nouveau roi. Roi de Pacotille, sache que plus dure sera ta chute. L'offre tient toujours, Seigneur Lucien. Roi Lucien. Oh, River, est-ce que tu vas la fermer? En fait, je te laisse ces gens gratuitement. Évidemment. Et toi aussi. Où est-elle? Votre amie cartomancienne? Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai à peine écouté. J'aurais dû sortir cette nuit-là pour chercher ton corps dans le noir. J'étais trop pressé. J'ai laissé ta lignée s'épanouir. Et tu as grandi. Mais cette fois, c'est différent. Le sang du dernier des héros coulera du haut de cette colline. Misérable créature, faible et perdue. La dernière fois que je t'ai tué, mon cœur a saigné. Bien sûr, tu n'étais qu'une enfant. Mais alors, moi aussi. Ce n'est pas aujourd'hui que ta dernière heure devait sonner, Moineau. Réveille-toi! Papa et maman sont sortis. Tu ne leur as pas dit au revoir. Allez, debout! Le soleil brille dehors. Allez! Ils ne reviendront pas de sitôt. On va bien s'amuser aujourd'hui. On a plein de choses de prévues.
J'ai caché des bouteilles dans la ferme pour que tu tires dessus. Il faut rassembler les poulets. On pourrait aussi tuer des scarabées. Bref, il y a de quoi faire. Alors, on commence par quoi ? Je ferai tout ce que tu voudras. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Allons chasser les scarabées dans les champs. Maman m'a dit que la prochaine fois qu'ils iraient au marché, ils nous emmèneraient. Je suis sûre que tu vas adorer, petit moineau. Ouais ! Tu en as une ! Essaye de trouver les autres ! Bravo! Super! Ce champ grouille d'insectes en tout genre. Ça te dit d'en tuer? Bien joué! Celui-là a fait splash. Super. Je n'en vois plus. On fait quoi maintenant? J'ai posé des bouteilles un peu partout pour que tu t'entraînes un peu au tir. Bien joué! Bravo! Super! Les poulets courent dans tous les sens et ils piquent tout. Tu penses pouvoir les faire rentrer dans leur enclos? Super! Bien joué! Bon, crétin de poulet, reste là! Bien joué!
Encore deux. Je suis crevée rien qu'en te regardant. Je me demande ce que papa et maman vont ramener du marché. C'était une super journée, mais je suis crevée. Allons au lit.
Ce n'est rien, petit moineau. Retourne te coucher. Ah, allez, retourne te coucher. Il n'y a rien de drôle à faire maintenant. Où est-ce que tu vas ? Ça va pas, c'est dangereux dehors. Ne t'en va pas, les parents sont fâchés. Reviens à l'intérieur, je vais avoir de très gros ennuis. S'il te plaît, reviens te coucher. J'ai peur. Ne pars pas. Le château de Fairfax est si beau sous la neige. Si seulement on vivait là. Ça peut peut-être s'arranger. Pendant des siècles et des siècles, cette école s'est évertuée à entraîner les enfants d'Albion les plus doués, liés par le sang coulant dans leurs veines. Sens-tu le pouvoir parcourir ton corps? Belle! J'aurais pu en empêcher! C'était génial! La meilleure arène depuis des années! Une belle prestation dont on se souviendra très longtemps. Du moins, tant qu'il restera des gens pour en perpétuer le souvenir. Tout le monde a ses limites. Et je trouverai les vôtres. Il faut suivre les règles. Nous prendrons uniquement la personne qui porte le sceau noir. Et tu parais plus jeune et plus vive que jamais. Tu es très surprenante. Bravo, bravo. La dernière fois que je t'ai tué, mon cœur a saigné. Bien sûr, tu n'étais qu'une enfant. Mais alors, moi aussi. Tu as réussi le test. En récompense, tu as gagné la possibilité d'affronter ton ennemi et les moyens de le vaincre. Prends la boîte et va le voir. Tes pouvoirs sont énormes. Par deux fois, tu as vaincu la mort. Pourtant, tes capacités sont extrêmement maigres comparées au pouvoir infini de la flèche qui sera bientôt mienne. Allez, dors!
qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Tu penses qu'une simple babiole va pouvoir te sauver? Tu crois pouvoir survivre? Arrête. Réfléchis à ce que tu fais. Je vais mettre un terme au chaos. Arrête, saleté. Pauvre insecte. Je t'ordonne d'arrêter. Tu considères ça comme une victoire? Tu ne fais que retarder l'inévitable. Ce pourquoi tu... J'ai cru qu'il ne se tairait jamais. Lucien est mort. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, l'heure est venue de recevoir ta récompense pour avoir sauvé le monde du rêve égoïste d'un fou. La flèche s'est réveillée et elle a toujours le pouvoir d'exaucer un vœu, le tien. Là, prends ma main. Tout va bien, petit moineau. N'aie pas peur. Tu figures dans le cœur de la flèche, tout comme l'archant de l'ancien royaume il y a des milliers d'années. C'est maintenant ton tour. Fais un vœu. Mais réfléchis bien, car il affectera l'Albion tout entier. Le sacrifice, tu peux ressusciter tous ceux qui sont morts lors de la construction de la flèche. C'est un cadeau charitable. Ta seule récompense sera la gratitude d'Albion. L'amour, tous les êtres que tu aimes, y compris ton chien fidèle, reviendront à la vie. Mais cela coûtera celle d'innombrables innocents qui sont morts en bâtissant la flèche. Ou la richesse, de l'or à ne plus savoir qu'en faire et à dépenser comme bon te semble. Mais tous ceux que tu as aimés et tous les prisonniers de la flèche resteront morts et ne pourront jamais témoigner de ton opulence. Que choisis-tu ? Ainsi soit-il. Tous ceux qui avaient perdu des proches dans la flèche les ont maintenant retrouvés, troublés mais indemnes. Bientôt, l'Albion débordera de gratitude et louera pour toujours le nom de la grande et généreuse héroïne que tu es. Et tous sauront ce que tu as sacrifié pour eux. On a tout entendu. Oui, un vœu a été fait et le monde en subira les conséquences. Quand mon père est mort, c'était horrible. Rien que d'y penser, ça me fait mal. Alors le sacrifier moi-même, non. Il t'a fallu énormément de courage pour faire ça. Plus que je n'en aurais jamais. Oui. Mais il y a beaucoup plus important. Moi, qu'est-ce que j'ai? De l'argent serait le bienvenu. La décision est tienne. Je peux t'envoyer n'importe où d'ici. Alors, quel est ton vœu? J'aimerais rentrer chez moi, à Samarcande. Oh, je ne suis jamais allé à Samarcande. Nuit chaude, substances exotiques et habitants délurés. C'est pas du tout comme ça. Crois-moi, j'y trouverai ce que je recherche. Bien, mais reste hors de mon chemin. Hammer?
Non, j'arrête. Je sais pourquoi on s'est fait attaquer le jour de notre rencontre. C'est toi qui as amené les hommes creux. Deux moines n'auraient rien trouvé. Mais un guerrier trouve toujours la guerre, toujours. Je veux voyager vers le nord pour rencontrer ces moines guerriers et étudier. Ça me faisait tellement mal d'éviter la violence, mais c'est encore pire de l'engendrer. Au revoir, héroïne. Je ne te remercierai jamais assez pour m'avoir attiré tous ces ennuis. Oh ! Je dois te prévenir que je reviendrai séjourner un peu en Albion. J'ai quelques dettes envers des amis à moi qui vivent dans les Marégores. Au début, j'avais quelques doutes sur toi. Mais j'ai eu tort. Et nous nous reverrons. Tu peux en être sûr. Alors, tu crois pouvoir gérer l'Albion sans aide ? Je dois partir d'ici pendant un moment. Réfléchir un peu, pour changer. Je n'ai pas grand-chose à perdre ici. Enfin, peut-être quelqu'un, si. La meilleure amie que j'ai jamais eue. Il est temps de se dire adieu. Prends soin de toi. Adieu, Hammer. L'heure est venue pour toi de partir. Tu peux profiter du monde entier. Mais la flèche est à moi. Va-t'en. Thank you.
Ainsi débute notre histoire. Notre taux de crime résolu est ridicule. Bouge-toi un peu. Voilà, mon fournisseur est enfin repassé. J'ai en ma possession l'objet qui permet de se projeter dans l'avenir. Et, à vrai dire, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais plutôt à une jolie boule de cristal ou à des cartes. J'aurais même préféré un seau rempli d'entrailles à cette chose. Tiens, c'est cadeau. J'arriverai jamais à vendre un truc pareil. Et pour tout dire, ça me donne les chocottes. Et je reste poli. Bonne chance avec ça. Et surtout, ne va dire à personne que je ne t'ai pas fait payer. Ma réputation risquerait de prendre un sérieux coup dans l'aile. Thank you.
Te revoilà enfin. Tu savais que tu reviendrais ici un jour, non? Je sais la question que tu te poses. Oui, la flèche avait quelque chose à m'offrir. L'avenir m'a toujours murmuré à l'oreille, et j'ai suivi sa voix, aveuglément. Mais maintenant, je vois tous les avenirs possibles. Il y a beaucoup de scénarios, trop pour qu'on les compte. Pourtant, il arrive qu'ils convergent tous, lors d'événements inéluctables. Des futurs qui doivent être accomplis. Il est temps que je te montre l'un de ces futurs. Prends ma main, une dernière fois. Nous avons parcouru les années. Une reine croule sous le poids de son âge et sous la responsabilité de tout un royaume. Voici ces hommes. Des soldats dévoués qui mourraient pour elle. Comme beaucoup d'autres avant, sur leur propre terre ou dans des contrées lointaines. Ils iraient au bout du monde pour elle. Voici son peuple, des sujets qui lui sont dévoués. Il voit en elle une protectrice, une dirigeante. Et voici son trône, le siège du pouvoir en Albion. Là, elle a pris d'innombrables décisions, livré sa justice, mené une nation. Pourtant, tout cela n'a aucune importance. Voici l'avenir réel, son enfant, pas encore né. Mais promis à de grandes choses. Un enfant dont dépendra un jour le destin d'Albion, ainsi que le destin d'Aurora. Tu comprendras ces choses en temps voulu. Pour l'instant, contente-toi de mener ta vie et de préparer l'avenir. Sois prudent, petit moineau, et n'oublie pas, je suis toujours là. Et je te surveille. Tu es de retour du futur. La balade t'a plu, j'espère. Oui. Oh, ce serait dommage de faire tout ça pour finalement se rendre compte qu'on meurt demain. De mon côté, les affaires marchent merveilleusement bien et c'est grâce à toi. Tu sais que finalement, tu me fais une publicité hors du commun avec tous ces objets rares et miraculeux. Mon fournisseur, enfin j'imagine que tu sais qui c'est maintenant, m'a laissé une dernière chose pour toi, quelque chose que seule une héroïne peut apprécier. Je voudrais pas te gâcher la surprise, mais dégaine ton arme avant de t'en servir. Bonne chance, mon ami. Et reviens vite faire des affaires chez Murgo. Un frais spécial sur les pommes magiques. Qui sait ce que... Vous dénicherez à l'intérieur un demi-verre, un verre entier...
Deux verres, à vous de le... Êtes-vous ici pour un fascinant voyage dans les mystères du passé ? Qu'y a-t-il de mieux pour l'humanité que de déterrer de vieux objets oubliés ? Oh, notre époque n'est qu'ignorance. Excellent. On doit dénicher jusqu'au dernier de ces artefacts. Eux-mêmes réduits en esclavage ? Scandaleux ! Parfait, vous avez rendu un fier service à l'anthropologie et tout le reste. J'ai une autre aventure archéologique pour vous, si ça vous tente. Excellent. On doit dénicher jusqu'au dernier de ces artefacts. Vous n'avez pas quelque chose pour moi ?
Oui. Enfin, j'avais raison. J'ai réussi. Avec ce dernier bout du code secret, je peux enfin ouvrir la porte. Ah. Ah. Qui sait quel terrible danger rôde à l'intérieur, mais je suis sûre que ce n'est qu'une broutille pour quelqu'un comme vous. Accomplissez cette dernière tâche pour moi, et je vous récompenserai généreusement. Vous l'avez, le rêve d'Archon. Je le croyais perdu à jamais. J'ai consacré ma vie à ses recherches. Je peux l'avoir, s'il vous plaît. En échange d'une belle somme d'argent, bien sûr. Je ne l'aurais jamais trouvé sans vous. Vous ne pouvez pas partir avec. Il faudra me tuer d'abord. Oh, je rêve de cet instant depuis que je suis toute petite. Le célèbre rêve d'Archon. Merci pour votre aide précieuse. Je suis tellement émue que je vais aller écrire une thèse universitaire sur cette expérience. Salutations, madame, et bienvenue au château de Fairfax. J'ose espérer qu'il sera à la hauteur de vos attentes. La salle à manger et votre nouveau cabinet de travail se trouvent à gauche, dans le grand hall, et à droite, vous trouverez la tour et la suite royale. Si je puis me permettre, je vous recommande de vous reposer dans le lit royal. Tous ceux qui l'ont fait ont dit qu'il faisait des merveilles.
ceux qui ont dormi dans le lit royal ont fait l'éloge de son remarquable pouvoir de récupération. Pardon de vous importuner, madame, mais il semble que le château soit attaqué. Les intrus se sont introduits dans la propriété par un passage secret situé dans la bibliothèque. Je vais vous couper en morceaux! Relève-toi, bandit! Si je te tue, bravo, madame. Très impressionnant. Si je puis me permettre, je ne pense pas me tromper en disant qu'ils sont entrés par là. Peut-être serait-il plus prudent de poursuivre les investigations.
Quant à moi, j'ai le regret de vous annoncer que je ne suis plus à votre service. Mon prédécesseur a omis de m'informer des dangers de ce poste, et je suis malheureusement incapable d'exercer correctement mes fonctions dans un tel état de nervosité. Bonne journée, madame.
Félicitations pour l'acquisition de cette chouette potion de transformation très surprenante. Le produit dernier cri en matière de changement de sexe. Vous avez maintenant le pouvoir de changer de sexe. Attention, l'effet est définitif. La potion s'évaporera en quittant ce donjon. Odeur et pilosité peuvent être des effets secondaires. Ce message magique a été conçu et envoyé par les laboratoires Lionhead Incorporated.
précipitateur héroïque. Ça marche. Réinitialisation multiplicateur héroïque.